Le monument qui symbolise à lui tout seul Paris et la France entière est en grève. Une partie du personnel de la Tour Eiffel a cessé le travail ce jeudi matin pour se joindre au mouvement social contre la réforme des retraites. À l'instar de l'Arc de Triomphe ou encore d'une partie des salles du musée du Louvre, l'accès au public est fermé. On voulait monter sur la Tour Eiffel, mais c'est fermé, regrette cette Allemande. C'est triste, on est venu tout spécialement et on repart demain, se désole ce couple venu de Bulgarie. Même déception parmi les touristes français. On reviendra demain, mais pareil, on est venu en train, on n'aura pas le retour, il a été supprimé à cause des grèves. Donc en fait, ça bloque tout en fait. On avait prévu des vacances, on a investi beaucoup de sous et au final, on est bloqué. La Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde et accueille chaque année quelques 7 millions de personnes. La société exploitant la Tour Eiffel ne dit pas si l'accès au public sera rétabli ce vendredi.